Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle soirée de football. Un petit mot sur les conditions de jeu pour commencer et un pied de nez au Cassandre de la météo qui nous annonçait de la pluie. Certes, le ciel est menaçant, mais pas de gouttes pour l'instant. Bref, rien de tout cela n'a réussi à décourager les supporters qui sont très nombreux et qui vont soutenir très fortement leur équipe. Juste un qualificatif pour ce stade. Magnifique. Et coup d'envoi de ce match. Murray. Il tente de la jouer dans l'espace. Salah. Jordan Henderson. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. C'est joué long. Le ballon piqué sur le côté. Voici Roberto Firmino. Brighton qui peut avancer. Allez. Il y a peut-être un coup à jouer. C'est bien conserver sa lucidité maintenant. Pour trouver la faille dans la défense. Long ballon dans le sens du jeu. C'est osé. C'était un geste décisif, ce tacle. Tacle parfait, l'arbitre laisse jouer. Avec Gomez. Bonne course, côté droit. Voici Roberto Firmino. Il relance, côté droit. Il cherche un coéquipier. Oh, la frappe! Oh, quel geste, sans réussite. Et c'était bien frappé pourtant. Premier corner dans cette rencontre. C'est dégagé. Oh, quel geste! Il a trébuché sur cette intervention. Superbe intervention contre un joueur qui part en dribble comme ça, il ne faut pas se rater. Un grand dégagement le plus loin possible. C'est joué long, attention. Il est passé. Le bon centre. Liverpool va frapper le corner. C'est dégagé, loin devant. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Le dégagement. Liverpool qui cherche l'étincelle. Il joue dans l'espace. Brighton qui fait dézonner ses attaquants axiaux. Oui, c'est un peu bizarre quand même. Ah bon? Pourquoi? Comment ça? Le problème, c'est que c'est l'attaquant central qui doit être dangereux dans la surface. Faudrait peut-être mieux laisser les ailes aux ailiers. Sinon, qui va reprendre ses centres? Ça joue à gauche. La passe dans la profondeur. Pour trouver la faille dans la défense. Centre. Ça, c'est directement pour le gardien. Gomez. Lallana. Quelle séquence de passes. Collectivement, c'est parfait. Il tente de la jouer dans l'espace. Il a tenté, bien joué. Lallana qui centre. Le bon dégagement. Et le ballon qui est remis dans l'axe. Dans 5 minutes, l'arbitre va renvoyer les deux équipes au vestiaire. Salah! Un peu d'oxygène pour sa défense. Oh, voici Mohamed Salah. Wijnaldum. Mais il manque le geste décisif. Il y avait du monde dans la surface là, c'était une belle occasion. Et c'est le coup de sifflet, c'est la mi-temps.
Liverpool qui regagne les vestiaires sans avoir réussi à faire la différence dans ce match. C'est peut-être le moment de faire un peu de coaching. C'est toujours bon pour le moral de terminer la première mi-temps aussi fort. Les joueurs vont devoir revenir maintenant avec le même état d'esprit et continuer sous ce rythme. 0-0, tout est encore possible dans cette rencontre. La seconde période, c'est parti. On a vu les stats et avec deux fois plus de tirs d'un côté, c'est étonnant que les deux équipes ne parviennent pas à se départager. C'est joué long, attention. Wijnaldum. Mohamed Salah. Quelle passe! Il glisse le ballon en profondeur. La passe interceptée. Il tente de la jouer dans l'espace. Le bon dribble. Murray la relance côté droit. Montoya. Oh, voici Knokkaert. Montoya. Il cherche la profondeur. Knokkaert, il a de l'espace. Bien servi. Oh, c'était dangereux, quel geste! Ils ne vont pas chercher leurs adversaires. C'est intéressant. Ils restent à distance, ça leur permet de mieux lire le jeu plutôt que de se précipiter sur la balle. Ah, ok. Ces deux-là ne se lâchent plus. Le long dégagement du gardien. C'est joué long, c'est dangereux. Murray. Voici Roberto Firmino. Il voit sa passe interceptée. Oui, il faut dire que ça manquait de précision aussi. Mohamed Salah qui perd les... Salah ! Oh, but ! Et voici peut-être le but dont ce match avait besoin. Et c'est interdit de perdre un ballon si près de son but. Et oui, une seconde d'inattention peut parfois coûter très très cher. Mohamed Salah, qui inscrit là son premier but de la saison. C'est l'occasion de procéder à un changement. Et ça fait donc 1-0. Ça fait 1-0, mais il reste encore beaucoup de temps dans ce match. Montoya. La bonne passe. Murray à droite. Il joue dans l'espace. L'interception au bon moment. Voilà, c'est ce genre d'attaque qu'il faut tenter. Bon, c'est pas comme s'ils avaient le choix non plus. Exact. Un centre tendu à ras de terre. Il y a du mouvement. Voici Roberto Firmino. La passe dans la profondeur. Mané! Oh, ça aurait dû faire 2-0, ça. Il aurait pu donner de l'air à son équipe. Il va être déçu, c'est sûr. Brighton qui effectue un changement. Le premier changement n'a pas franchement été décisif. Alors là, l'entraîneur abat sa deuxième carte.
Voici Roberto Firmino. Oh, voici Mohamed Salah. Il tente de la jouer dans l'espace. Il y a peut-être un coup à jouer. Il peut y aller. Ah, c'est manqué, manqué, il faut cadrer. Écoutez, il a raison de tenter sa chance. Les défenseurs ne montent pas au pressing, alors il frappe. C'est plutôt bien joué. Un peu de coaching, c'est bien. Oui, il était fini, crevé, carbo, comme vous dites. C'est clair qu'il fallait le faire sortir. Il cherche son coéquipier. Il glisse le ballon en profondeur. C'est bien fait. Il est à distance de tir. La passe est précise. Le bon dribble. Oui, ça pouvait être dangereux. Il fallait impérativement l'arrêter. Matip. Pour trouver la faille dans la défense. Il frappe. Voici Roberto Firmino. Le jeu repart vers la droite. Oh, le bon ballon. Robertson. C'est vraiment dommage, il le manque toujours un petit quelque chose. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. C'est bien donné. Roberto Firmino qui choisit le... C'est terminé, l'arbitre siffle la fin du match. Un petit but à l'issue de cette rencontre, c'est largement suffisant pour faire leur bonheur. Ils s'imposent. Ils ont eu beaucoup de mal à rentrer dans le match et on se dirigeait carrément tout droit vers un 0-0. Et puis heureusement pour eux, ils ont trouvé la faille. Voilà Darren, cette soirée est terminée. Merci de l'avoir vécu à nos côtés. À très bientôt, salut. C'est toujours un bonheur.